Imaginez un commerce par mer qui serait si profitable qu'il ferait la fortune des armateurs, des négociants, mais aussi des ports et des villes du royaume qui s'y adonneraient. Imaginez cette activité enrichissante étendue aux grandes nations d'Europe, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, la France, la Hollande, le Danemark. Votre esprit pourrait douter d'un tel prodige. Et pourtant, ce n'est là que l'héritage des découvertes des navigateurs intrépides et des conquistadors du XVe siècle. Savez-vous que pour extraire les richesses des nouveaux mondes, il fallait une abondante main-d'œuvre et que les malheureux indigènes de ces contrées qui furent réduits en servitude résistaient mal aux travaux forcés et aux maladies venues d'Europe? Pensez alors aux hommes noirs de cette Afrique si convoitée par les Portugais et qui étonnèrent les cours des princes de ce temps. Ces Africains, on les prétend robustes et naturellement adaptés au climat des tropiques. Aussi, les nécessités de l'économie imposèrent de les mettre en esclavage pour défricher et cultiver les terres des Amériques. Sinon, le sucre serait trop cher. Songez que pendant près de 3 siècles, des milliers de navires venus des ports d'Europe embarquèrent à la côte d'Afrique des captifs noirs qu'ils échangeaient contre des marchandises de traite. Et que c'est comme esclaves qu'ils allaient les vendre dans les colonies des Indes occidentales. Imaginez alors le commerce ainsi établi entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques sur des routes maritimes si propices, et convenez que la traite atlantique a fait de cet océan le centre du grand négoce. On ne peut en douter. C'est le souci des intérêts économiques du royaume qui a conduit l'État à réglementer la traite. Les compagnies à monopole créées ou favorisées par le pouvoir royal regroupèrent des capitaux tant publics que privés. Mais les difficultés et les faillites successives de la Compagnie des Indes occidentales, de la Compagnie de Guinée puis de celle du Sénégal ont légitimé les revendications des particuliers réclamant la liberté du commerce de traite, la protection et l'aide de l'État. Arrêt du Conseil d'État du roi, qui porte à 200 livres par tête la prime accordée aux négociants français sur les noirs de traite française. Et c'est le même souci du bien commun et de la libre entreprise qui semble animer les négociants de Nantes lorsqu'ils s'adressent au pouvoir public. La traite qui se fait aux côtes d'Afrique est très avantageuse à la navigation, au commerce et aux colonies françaises. Elle encourage la construction et l'armement de vaisseaux. Elle occupe un nombre infini d'ouvriers, de matelots et navigateurs. Elle procure de grands débouchés aux denrées et marchandises. Enfin, sans elle, il serait impossible de pouvoir cultiver nos îles de l'Amérique. Consultez les prospectus et les comptes d'armement. Examinez les registres de commerce. Étudiez les transactions financières et les coûts des campagnes de traite. Appréciez les profits estimés et ceux réalisés et vous comprendrez mieux la dure loi de ce négoce. Un devis de 1802 de l'armateur Mathurin Trottier pourrait servir d'exemple. Pour armer la bonne mer, un navire négrier expédié pour traiter 300 à 350 noirs, les dépenses à engager, la mise hors, monté à 200 000 livres, mais le bénéfice escompté atteignait cependant 275 000 livres. Comment réunir de telles sommes? En sollicitant les intéressés, financiers, bourgeois, gérants, colons, voire petits rentiers, pour rassembler les capitaux nécessaires.
On part de Nantes. À la fosse, une activité fiévreuse règne sur le chantier. On construit, on radoube, on gré, on arme des centaines de navires. Fonderies et ateliers produisent les outils, les ancres, les canons, les ferrures et les clous. Les fabriques de voiles et de cordages s'affairent. C'est que les chantiers de Basse-Loire sont fort réputés et que les voyages de traite usent en quelques années les navires. Le choix des armateurs négriers se porte sur les corvettes et frégates de 15 à 45 mètres, jaugeant de 50 à 400 tonneaux. Si le galbe, encore lourd des carènes, limite la vitesse moyenne à 5 nœuds, le doublage des coques par des plaques de cuivre diminuera dans les eaux tropicales les méfaits des végétations marines parasites et des tarets. Allez voir, les navires négriers ne diffèrent pas des autres bâtiments. Il faut cependant savoir découvrir leurs secrets. Sous le pont supérieur, observez l'entrepont. Pour faire une bonne cargaison, une hauteur libre entre 1m40 et 1m80 est ménagée entre le pont supérieur et le pont inférieur. C'est dans l'entrepont que sont entassées les marchandises de traite, puis la marchandise humaine. Et c'est dans les soutes de la cale, sous la flottaison, que sont entreposées quantités de vivres et de futailles d'eau douce. Selon leur tirant d'eau, les navires prennent leur chargement au port de Nantes ou de Paimbœuf, au bas de la rivière de Loire. Croyez bien que les cargaisons qui sont constituées pour la traite enrichissent non seulement le pays de Nantes, mais aussi nombre de provinces de France et des autres royaumes d'Europe. Champs et vignobles fournissent vivres, vins et alcools. Ateliers, fabriques et manufactures livrent armes, poudres, plomb, barres de fer et quincailleries. Ajoutez les verroteries et ces articles de parure et de fantaisie que l'on nomme pacotille, les ballots de tabac du Brésil importés de Lisbonne et des milliers pesants de coris, ces coquillages des îles Maldives qui sont une des monnaies de troc. Il faut y joindre pour les deux tiers du chargement des étoffes, tissus et cotonnades, et notamment sous peine de manquer sa traite, des toiles de couleurs vives, à la mode des Indes, imprimées à l'aide de bois gravés, ces indiennes dont la fabrication occupe à Nantes une dizaine de manufactures et plusieurs milliers d'ouvriers. Embarqué sur le Saint-François, embarqué sur le Saint-François. Mon matelot, mon mouché, moi, mon tadirira, la la la, mon tadirira, la lire. L'armateur avisé choisit lui-même le capitaine. Il recherche un navigateur de confiance, instruit en matière de commerce, qui veillera aux intérêts de la maison d'armement. Commandant du navire, le capitaine recrute à son tour l'équipage, 10 à 60 hommes selon la taille du vaisseau. Sous son autorité, officier-major, officiers mariniers, matelots, novices et mousses s'embarquent pour le long voyage triangulaire. Au poste de maître d'équipage, maître charpentier, maître tonnelier, cuisinier, dont les tâches sont vitales pour l'expédition, sont affectés des marins dotés de compétences bien établies. Quant au chirurgien, ses capacités sont souvent incertaines. Son rôle essentiel est de sélectionner et marquer les noirs de traite et d'éviter maladies et épidémies fréquentes parmi les captifs et les marins. Il faut vous représenter, tout au long de ce XVIIIe siècle, plus de 600 vaisseaux et 48 000 marins qui partirent du bas de la rivière de Nantes. Et voguent les navires négriers au nom chargé de symboles. La princesse noire, le bon père, la vertu, l'amour, la fraternité, l'égalité, la justice et tant d'autres. Pour prendre un riz, mon tadirira, la la la, mon tadirira, la lire. Il est monté pour prendre un riz, il est monté pour prendre un riz. Un coup de merlot a surpris, mon tadirira, la la la, mon tadirira, la lire.
Un coup de mer l'aura surpris, un coup de mer l'aura surpris. On a retrouvé son sabot, monta de rire, la la la, monta de rire, la rire. On a retrouvé son sabot. Après 3 à 12 semaines de voyage, se dessinent les côtes du continent noir. Et le navire mouille l'ancre près d'une embouchure ou d'un rivage aux portes de l'Afrique. Terre d'anciennes civilisations que l'imagination des Occidentaux peuplait de légendes et de mystères, l'Afrique attirait la curiosité et la concupiscence. Ses paysages, ses climats, ses peuples et leur histoire, leur mode de vie et leur culture inspiraient étonnement et frayeur. Jusqu'à la colonisation, les Européens n'explorèrent que les côtes du continent africain, ignorant autant sa géographie intérieure que ses réalités profondes. Au cours des siècles, chefferies, cités-états, royaumes, empires sont nés, se sont affrontés ou succédés, abandonnant parfois des vestiges de leur grandeur passée. Les sociétés africaines et les pouvoirs politiques qui les gouvernaient juxtaposaient ou conjuguaient des structures de type féodal à des organisations administratives et centralisées comparables à celles des États européens. Du XIIe au XVIIe siècle, toutes les régions de l'Afrique noire connurent un essor économique, politique et culturel remarquable. La vie quotidienne s'organisait autour des activités agricoles et artisanales. L'ethnie, le village, la famille et le lignage constituaient les fondements de ces communautés rurales, dominées par les chefferies et l'aristocratie. Un esclavage de coutumes domestiques et locales restait en usage. Les victimes des razzias, les vaincus des guerres de lignage, de clans ou d'états, devenaient esclaves de guerre ou esclaves de case. Employés dans l'armée, l'administration, l'agriculture et le commerce, ou comme gens de maison, ces esclaves pouvaient occuper de hautes fonctions, fonder une famille et être affranchis. À cet esclavage traditionnel qui alimentait aussi un marché intérieur s'ajoutait un commerce de traite très ancien, pratiqué par des marchands arabes qui approvisionnaient les marchés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. De l'Antiquité au XXe siècle, les caravanes d'esclaves parcoururent les routes commerciales transsahariennes et orientales. 12 à 14 millions de captifs noirs furent ainsi déportés et vendus.
Avant même la découverte des Amériques, les caravelles portugaises, armées pour la paix et pour la guerre, atteignirent les côtes occidentales et orientales du pays où les gens sont extrêmement noirs. Un commerce de troc s'instaura. Ustensiles, tissus, chevaux étaient échangés contre de l'or, du morfil ou ivoire, de la gomme arabique, des épices, des cuirs et des esclaves. De l'île de Gorée à l'Angola et jusqu'au Mozambique, dans le sillage du Portugal, les grands pays d'Europe, Hollande, France, Angleterre et Danemark, établirent et se disputèrent par les armes des comptoirs défendus par des forts. Concédés par les chefs africains qui en tiraient avantage, ces factoreries implantées sur les côtes devinrent les principaux lieux de traite négrière. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la demande sans cesse renouvelée des colons planteurs des Amériques en main-d'œuvre servile grandit démesurément. Tandis que l'islam étendait son influence, la traite atlantique favorisait sur la côte occidentale la prospérité des royaumes d'Oyo, de Bénin et de Loango, et l'apparition de nouvelles puissances, l'Ashanti et Abomé. Partenaires commerciaux des négriers européens, ils tissèrent un réseau d'échanges de marchandises et de captifs avec des États de l'intérieur, associés ou complices, et tentèrent de contrôler à leur seul profit le trafic d'esclaves. Malgré les résistances ou les révoltes, le commerce négrier s'intensifia, créant insidieusement un état chronique de guerre et de violence et provoquant des mouvements de population et des bouleversements économiques irrémédiables. Les pouvoirs locaux et toute une engeance de dignitaires, de courtiers et d'interprètes s'enrichissaient au prix du sang et de la corruption. Dévastée par la traite, l'Afrique noire perdait pour longtemps ses forces vives. Partie de Liverpool, Londres, Bristol, Lisbonne, Lagos, Cadix, Nantes ou Amsterdam, les navires négriers pratiquaient parfois une traite improvisée, par cabotage, cherchant le long des côtes des chefs africains disposés à leur céder des captifs contre leurs marchandises de traite. À cette troque sous voile, qui pouvait durer plus d'un an, les capitaines préféraient la troque sur rade ou à terre, dans les factoreries des comptoirs. La traite s'avérait plus fructueuse et le séjour en Afrique plus bref. Capitaines de navires, employés des compagnies, négociants, prêtres, nous ont laissé des traités et des témoignages sur les opérations de traite. Laissons-leur la parole. Chaque navire, pour avoir la permission de faire sa traite à Juda, paie au roi une coutume en marchandises de la valeur de 8 à 10 captifs, suivant la grandeur du navire. Ensuite, il ouvre sa traite. Le roi des Dahomey a 4 ou 5 marchands qui ne vendent que pour lui le produit des pillages qu'il fait faire chez ses voisins et quelquefois chez ses propres sujets ou enfin des prisonniers qu'il a faits à la guerre. Les autres marchands vendent les captifs qui leur sont amenés de plusieurs parties de l'Afrique par commission ou pour leur propre compte. Quand ces captifs arrivent, les marchands font appeler les blancs pour les leur vendre. L'essentiel de ce commerce consiste à faire valoir les marchandises de la cargaison, à se défaire premièrement de celles qui sont en plus grande quantité ou de moindre valeur, et à mettre un prix modéré sur les premiers nègres, pièces d'Inde, qu'on achète parce que ce premier prix sert de règle pour toute la traite du navire. Car ce sont les Européens qui, par jalousie les uns contre les autres, se sont nuis mutuellement et ont appris aux Africains à se prévaloir de la concurrence de plusieurs nations, et même de plusieurs navires, en leur faisant payer le double de la valeur ordinaire des nègres. Quand ces esclaves sont arrivés, on les met tous ensemble dans une prison. Et lorsque nous voulons les acheter, on nous les amène dans une grande place où, après qu'ils aient été mis tout nus, sans distinction de sexe, ils sont visités jusqu'au moindre de leurs membres par nos chirurgiens. Cependant, il y a au feu un fer avec les armes de la compagnie, et on applique ce fer chaud sur la poitrine de ceux que l'on a choisis. On les remet en prison où ils vivent à nos dépens. Ainsi, pour éviter la dépense, nous les envoyons à la première occasion à bord de nos vaisseaux. Leur maître, leur hôte, avancent là tout ce qu'ils ont, et ils entrent dans les vaisseaux tout nus, tant hommes que femmes, et demeurent dans cet état. Dès le débarquement des marchandises de traite, le charpentier et ses aides avaient aménagé l'entrepont pour augmenter la capacité d'entassement de captifs. Selon le tonnage du navire, de 50 à 600 hommes, femmes et enfants pouvaient être transportés à chaque voyage.
Un navire négrier est construit de manière que le pont ou le tillac est coupé par une planche haute et forte, que l'on appelle le fort. Du côté de la paroi qui regarde l'arrière du navire sont les femmes et les enfants. De l'autre côté, sur l'avant, sont les hommes, qui ne peuvent ni voir les femmes ni venir auprès d'elles. Les hommes sont d'ailleurs accouplés deux à deux dans des fers, qui contiennent leurs mains et leurs pieds. À travers chaque rang dans lesquels on les place sur le pont, ils passent une chaîne entre leurs jambes, de façon qu'ils ne peuvent ni se lever, ni faire le moindre mouvement sans permission. Il y a toujours une garde auprès, qui doit donner une grande attention à tous les mouvements des nègres. Malgré la terreur, les marins gardent chiourmes et les chaînes, des révoltes rares mais violentes éclataient, réprimées sans pitié. Le capitaine du navire, la Sirène, note sur son journal de bord en 1751 « Il avait été traité 469 noirs, mais dans une révolte, on fut obligé d'en tuer 199, de manière qu'il en a resté les 266 ci-contre. » Ultime sursaut de désespoir, les évasions et les suicides surprenaient parfois la vigilance de l'équipage. Le 11 mars 1741, le journal du Notre-Dame de Bonne-Garde mentionne simplement « Comme nous allions dire la prière, il nous est arrivé un accident de quatre femmes ou négresses qui se sont jetées à la mer. Nous n'avons pu savoir la raison pourquoi. » Sur ces prisons flottantes, les captifs enduraient un voyage sans retour de 3 à 12 semaines à travers l'Atlantique. Ils ne peuvent ni se lever ni faire le moindre mouvement sans permission. Ils l'obtiennent le matin pour venir sur le pont et le soir pour retourner dans l'intérieur du navire. Mais comme leur nombre est si grand, ils ne peuvent que de 2 jours l'un jouir de ce rafraîchissement et demeurent le reste du temps à fond de cale, pressés comme des harengs. L'angoisse, les mauvais traitements, les maladies et les épidémies décimaient les chargements d'esclaves. Mais les équipages n'étaient pas épargnés, et parfois plus des 2/3 des marins et de leurs prisonniers succombaient pendant la traversée. C'est vers les îles à sucre et l'Amérique du Sud que les vaisseaux négriers faisaient route. Les navires nantais abordaient surtout à Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe. Quand un navire est arrivé à sa destination, le capitaine cherche à se défaire de sa cargaison au plus tôt, de peur d'essuyer de nouvelles pertes. Il ordonne qu'on les nourrisse avec abondance pendant quelques jours, qu'on leur frotte le corps avec de l'huile de Palma Christi, afin de les rendre plus souples. En un mot, qu'on ne néglige rien pour leur donner l'apparence de la santé, de la vigueur. Quand ces préparatifs sont achevés, il fait annoncer sur les papiers publics la vente de sa cargaison, qui se fait de 3 manières, par courtier, à l'encan ou par l'eau. Avant de conclure le marché, on fait toujours monter sur une table ou sur un tonneau le nègre mis en vente, pour y être examiné par un chirurgien, afin de juger de sa force et de sa santé. Tout nègre qu'on vient d'acheter est marqué.
sur la poitrine ou sur l'épaule, avec une estampille d'argent toute brûlante, aux initiales du maître. Un captif était souvent revendu comme esclave 3 à 4 fois le prix qu'il avait coûté sur la côte d'Afrique. L'esclave de premier choix, appelé pièce d'Inde, jeune, robuste et en bonne santé, pouvait valoir l'équivalent de la solde annuelle d'un capitaine. Les directeurs et receveurs du domaine du roi percevaient des droits de 1% sur le prix de vente pour l'introduction des nègres aux colonies. Ces sommes recueillies auprès des capitaines des navires étaient versées dans les caisses du trésor royal. Il a fallu relever les chiffres portés sur les registres d'état des navires par les services de l'amirauté pour dénombrer les esclaves introduits dans les colonies. Pour le seul XVIIIe siècle, les négriers nantais déportèrent environ 400 000 captifs, dont plus de 50 000 périrent pendant les voyages. Le chiffre total estimé des Noirs d'Afrique victimes de la traite atlantique pendant 3 siècles atteindrait 12 à 15 millions de personnes. Les productions ordinaires des îles défrichées par les nègres sont les cannes à sucre, le café, le coton, le cacao, l'indigo, la cochenille, le roucou, le gingembre. La culture du sucre entraîne le planteur à des dépenses très considérables. C'est pourquoi elle n'est faite qu'en grand. Cependant, c'est la principale production des îles et toutes les autres prises ensemble occupent moins de bras que celle-là. Dans ces colonies repeuplées d'esclaves noirs, les maîtres blancs exercent un pouvoir absolu que le mélange prémédité des ethnies africaines dans les plantations contribue à renforcer. Arraché à son pays natal, coupé de son lignage et de sa famille, dépossédé de son identité, l'esclave est affublé d'un nom de fantaisie ou d'un sobriquet. Converti et baptisé par les curés à nègres des missions, il commence une nouvelle vie, réduite au travail forcé et au châtiment corporel. Malgré les interdictions et la répression, la société des esclaves prend naissance dans une vie nocturne clandestine, rythmée par la musique et la danse. Le tambour, vénéré comme une divinité, appelle aussi les esprits d'Afrique, avec le culte des Vodounes, divinités ancestrales et tutélaires, originaires du golfe du Bénin. La pratique religieuse obligatoire est ainsi détournée et investie par les anciennes croyances. Vaudou en Haïti, Candomblé au Brésil, Santeria à Cuba, Tango culte à la Trinité, réunissent des assemblées de fidèles qui renouent avec les traditions africaines. Les rites de ces religions nouvelles recréent des liens communautaires, nourrissent un esprit d'entraide, de résistance et de révolte, et engendrent une langue et une culture commune, le créole. Maintenue dans un état de soumission barbare, la masse croissante des esclaves représente une menace pour les colons blancs. Pour imposer son arbitraire, l'ordre esclavagiste dispose dans les colonies françaises du Code noir, promulgué sous Colbert en 1685, et qui définit sans équivoque le statut juridique et social des esclaves. Article 2. Les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique. Article 12. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront au maître des femmes esclaves. Article 22. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître. Article 33. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang ou au visage sera puni de mort. Article 34. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échait. Article 38. L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive une autre fois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Article 42.
pourront seulement les mettre, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture ni de leur faire aucune mutilation de membres. L'esclave en fuite devient un nègre rebelle, un marron et un danger pour l'institution coloniale. Réfugié dans les marécages, les forêts, les montagnes, lié par les rites du vaudou, regroupé dans des camps organisés, les marrons, toujours plus nombreux, inspirent la frayeur dans les plantations. Alors que sorcelleries et empoisonnements leur sont attribués, les forces de l'ordre et les milices des planteurs les traquent sans merci. Les esclaves achetés deviennent la propriété de leurs maîtres et le code noir les assimile à des biens mobiliers. Article 44. Déclarant les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté. Article 46. Dans les saisies des esclaves, seront observées les formalités prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobilières. Une plantation sucrière se divise en trois grandes parties, les terres, les bâtiments et le cheptel. Le rendement annuel d'une plantation étant d'environ 200 fûts de sucre, il faut cultiver au moins 120 hectares de canne à sucre. La totalité du domaine doit atteindre 360 hectares. Dans une plantation de cette taille, il faut prévoir un cheptel d'au moins 250 nègres, 80 bœufs et 60 mules. La distribution des bâtiments d'habitation hiérarchise le petit monde fermé de la plantation. Près de la grande case ou maison du maître se dressent l'hôpital et les cuisines, les cases des nègres domestiques, et le village des nègres à talent, les ouvriers spécialisés. Puis le clocher, le colombier, la forge, la charronnerie et les remises et entrepôts. Un moulin hydraulique et un moulin à bêtes, une sucrerie à deux équipages de chaudières, deux purgeries et une étuve, et la guildiverie qui produit le tafia, constituent les bâtiments d'exploitation. À l'autre bout de la plantation, la case du commandeur surveille le village des nègres de culture, les plus nombreux et les plus durement traités. Enfin, à l'écart, quelques cases sont réservées aux malades et aux nouveaux esclaves, les bossals. Les travaux des esclaves varient selon les saisons et les cultures auxquelles ils sont appliqués. Mais on peut dire en général qu'ils sont très pénibles. Ceux qui vont au jardin, c'est-à-dire qui cultivent la plantation, sont réveillés avant l'aurore par le claquement de fouet du commandeur, chargé d'inspecter leur conduite et de punir leur négligence. Et le travail dure jusqu'à la nuit pour ceux qui ne sont point obligés de veiller au moulin. Outre le travail du jardin, les esclaves sont obligés d'aller deux fois par jour recueillir de l'herbe pour le bétail des moulins. Et s'il en périt près d'un quart dans la traversée, il n'en périt pas moins dans les deux premières années de leur séjour dans les colonies. Il est peu de constitution assez robuste pour résister à un travail de 14 ou 15 heures. La durée moyenne de vie d'un esclave est de 7 à 9 ans. Le travail de ceux qui sont au moulin ou aux chaudières est extrêmement pénible et demande des ouvriers très exercés. Des nègres offrent les paquets de canne à des cylindres mis en mouvement par l'eau, par le vent ou par des bestiaux, afin d'en extraire le vesou, ou la substance saccharine. Le suc est reçu dans une chaudière et l'on en fait évaporer la partie aqueuse. Il passe de là dans d'autres chaudières sous lesquelles on entretient un feu plus vif. Ces opérations ont pour but de séparer l'écume du sucre et de le condenser en cristaux, ce qui constitue le sucre brut. On l'envoie dans cet état en Europe où il est raffiné. Cependant, il reçoit dans les îles françaises une nouvelle préparation, nommée le terrage, pour en séparer les parties hétérogènes. Alors il exige moins de bâtiments pour le transporter. Le sirop qu'on sépare des cristaux par le moyen d'un cône troué à son sommet sert à faire le tafia ou le rhum.
Les pains de sucre blanchis par le terrage séchaient ensuite dans une étuve, avant d'être pilés et mis en barrique. Les tonneaux de sucre blanc et de sucre roux étaient alors transportés à bord des navires en partance. On comptait en 1757, dans la Saint-Domingue française, environ 30 000 personnes et 100 000 esclaves, nègres ou mulâtres, qui travaillaient aux sucreries, aux plantations d'indigo, de cacao, et qui abrègent leur vie pour flatter nos appétits nouveaux en remplissant nos besoins que nos pères ne connaissaient pas. Aussitôt après avoir achevé leur vente et reçu en denrées l'équivalent de leurs esclaves, les capitaines qui les ont transportés en Amérique se hâtent de revenir en Europe. Les cales et l'entrepont bourrés de marchandises tropicales, les navires négriers retrouvaient l'apparence de paisibles vaisseaux de commerce. Après une dernière traversée de 8 semaines, capitaines et équipages rejoignaient enfin leur port d'attache. Mais tous ceux qui étaient partis n'atteignaient pas le terme du voyage. Au cours du XVIIIe siècle, 1 000 000 de marins embarqués à Nantes périrent noyés dans les naufrages. 9 000 autres, morts de maladie ou déserteurs, ne revinrent jamais. Le chenal de navigation ensablé interdisait aux navires de gros et moyens tonnage de remonter l'estuaire de la Loire jusqu'à Nantes. Les cargaisons étaient déchargées à Paimbœuf. Et un important trafic de gabarres assurait le transport des marchandises des îles jusqu'aux entrepôts des armateurs, quai de la Fosse ou sur l'île Feydeau. Le capitaine se présentait au greffe de l'amirauté pour faire un rapport qui était consigné dans le registre des entrées de long cours. Cette déclaration comportait, outre le récit de l'expédition, un état général des marchandises transportées. Le compte de gestion, qu'il présentait ensuite à l'armateur, permettait d'établir le compte de désarmement et retour, de calculer les pertes et profits, et de répartir les bénéfices. Le taux des profits réalisés donne la mesure de la rentabilité des expéditions négrières. Si le taux moyen se situe entre 4 et 6% au cours du XVIIIe siècle, les expéditions fructueuses atteignent un bénéfice de 70% sur 7 ans, et les plus fameuses 100 à 150%. Malgré les risques et la baisse des profits, la traite attire les capitaux, mais les actionnaires, par prudence, multiplient les participations dans des expéditions différentes. Ainsi se construisent des fortunes. Ainsi s'établissent des dynasties d'armateurs. Autour de la traite, le commerce des îles se développe et alimente l'activité portuaire et l'activité économique. 22 raffineries de sucre et 17 manufactures emploient des milliers d'ouvriers. La ville prospère. Les Espagnols et les Hollandais, les domestiques noirs, se mêlent à une population qui passe, en un siècle, de 40 000 à 80 000 habitants. Avec 15% de la flotte française, Nantes devient le premier port du royaume, tant pour l'armement que pour la construction navale. Sa prépondérance s'affirme en même temps que grandit l'importance du trafic avec l'Afrique et les Amériques. Entre 1707 et 1847, presque la moitié des 3400 expéditions négrières françaises partent de Nantes. Bordeaux, Le Havre, La Rochelle, Saint-Malo, Lorient et Honfleur et une douzaine d'autres ports se partagent les 55% restants du commerce triangulaire. La réussite des armateurs et des négociants se traduit par un désir de prestige et de notoriété. Ces messieurs du commerce souhaitent abriter leur opulence derrière des façades qui donnent à voir leur richesse et leur respectabilité. Une bonne part des bénéfices de la traite sera placée dans la construction immobilière.
L'impulsion est donnée au début du siècle par le maire de Nantes, Mélier, qui provoque la constitution d'un groupe d'actionnaires pour aménager et lotir l'île Feydeau. Architecte et voyer de la ville, Senneret dresse un plan général pour la commodité et l'embellissement de Nantes. Son œuvre sera complétée par l'architecte Crucy. L'architecture de ces immeubles de 2 à 3 étages donne à lire les besoins et les activités des propriétaires et des occupants. Magasins et entrepôts au rez-de-chaussée, bureaux à l'entresol, appartements d'apparat au premier étage et logements de rapport aux étages supérieurs. Des sociétés d'actionnaires constituées par Gralin, Delorme, Mélinette, Duparc mettent en chantier de vastes programmes immobiliers qui créent et façonnent les nouveaux quartiers. La spéculation foncière et immobilière et l'insuffisance des logements locatifs assurèrent le succès de ces grands travaux d'urbanisme qui transformèrent la forme et le visage de Nantes. Boiseries et parquets habillent l'intérieur des appartements, où le luxe s'exprime avec retenue. Le noyer et le merisier le disputent à l'acajou et autres bois exotiques, dans le mobilier de port de fabrication nantaise, qui témoigne de l'influence du style anglo-hollandais. La vie des affaires et ses tracasseries, la vie brillante des salons où les modes en vogue se teintaient de l'exotisme des îles, les fêtes somptueuses données dans les hôtels particuliers des plus riches armateurs, c'est toute une part de la vie nantaise qui portait l'empreinte de l'économie coloniale qui la nourrissait. Autour du café servi dans des vaisselles d'argent, de faïence et que l'on buvait sucré, on parlait bénéfices, on dissertait sur les arts, on débattait des idées des Lumières et l'on fustigeait les amis des Noirs et leur humanisme égalitaire. Thank you.
un premier coup est porté au système esclavagiste en 1791. Dans la nuit du 14 août, sur les hauteurs de la ville du Cap-Français à Saint-Domingue, le signal de la révolte des esclaves est donné par le nègre Boukman lors de la cérémonie vaudou du bois Caïman. Les plantations sont dévastées et plus d'un millier de blancs sont massacrés. Si le jeune métis Vincent Auger a payé de sa vie l'opposition des colons au principe d'égalité de la Révolution, c'est un affranchi, Toussaint Louverture, qui, à la tête des insurgés noirs, impose à Saint-Domingue l'abolition de l'esclavage en 1793. La détermination de la Société des Amis des Noirs, animée par Brissot, Mirabeau, Condorcet et l'abbé Grégoire, pousse la Convention à prendre le décret du 4 février 1794 qui abolit l'esclavage des nègres dans les colonies. Mais l'agonie du monde esclavagiste allait se prolonger et le honteux commerce dénoncé par les philosophes du siècle des Lumières perdura pendant des dizaines d'années. Colons et défenseurs des colonies accueillent avec satisfaction le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte en 1802. Mais le corps expéditionnaire français échoue à rétablir l'ordre ancien. Et sous le nom Caraïbes d'Haïti, Saint-Domingue proclame en 1804 son indépendance et devient la première République noire. Un courant abolitionniste puissant, d'origine évangéliste, s'impose dans une Angleterre dont les intérêts coloniaux basculent vers l'océan Indien, tandis que la grande industrie naissante réclame des travailleurs salariés plus rentables que les esclaves. C'est donc l'Angleterre, premier pays négrier d'Europe, qui imposera par la négociation ou la répression l'abolition progressive de la traite à la France, au Portugal, à l'Espagne et à la Hollande. La traite, devenue illégale par ordonnance du roi de France dès 1817, les marines anglaises et françaises donnent la chasse aux navires négriers. Pour tromper les contrôles des vaisseaux de guerre, les capitaines négriers n'hésitent pas à jeter les captifs à la mer. Malgré les condamnations et les saisies, le commerce des hommes se poursuivit dans la clandestinité. Et près de 400 expéditions négrières partirent du port de Nantes dans la première moitié du XIXe siècle. Si les mouvements abolitionnistes gagnent du terrain dans les pays occidentaux et aux États-Unis, ce n'est qu'en 1833 que l'Angleterre devient le premier pays d'Europe à abolir l'esclavage dans ses colonies. En France, à la faveur de la Révolution de 1848, Victor Schœlcher, journaliste et anti-esclavagiste convaincu, est nommé sous-secrétaire d'État chargé des colonies. Il prépare le décret d'abolition qui sera promulgué le 27 avril 1848 et appliqué dans toutes les terres françaises. Cent 152 ans plus tard, l'esclavage disparaissait enfin, du moins officiellement, de tous les pays de la planète Terre. Nakanye, nakanye, oh, nakanye.
Yeah.